Je vous remercie et je remercie l'orchestre pour l'excellente musique. Nous allons à présent procéder à l'ouverture de cette 44e session de l'Assemblée générale de la CAF. L'histoire est de la CAF, l'Afrique a beaucoup de cultures et de manière générale, nous nous demandons à Allah, à Jésus-Christ, au prophète Mohammed d'être avec nous. Nous voudrons à présent adresser une prière de manière silencieuse pour une minute et en même temps nous allons également rendre hommage à nos collègues pour les participants du football, membres de l'équipe de football, ceux qui ont disparu. Et nous voulons respecter ceux qui ont été impliqués dans le football de manière générale. Les leaders africains, les participants, les arbitres qui nous ont quittés. Je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable Kassim Majaliwa, ministre de la République de Tanzanie, Monsieur Mohamed Mchengerwa, ministre de la Culture, des Arts et des Sports de la République de Tanzanie, Monsieur le ministre, membre du gouvernement tanzanien, notre frère, Monsieur Sheikh Ahmad Al-Thani du Qatar, président de la Fédération de football du Qatar. Nous allons bientôt venir chez vous. J'espérais que la Tanzanie allait être là également pour nous représenter. Nous espérons que demain, la Tanzanie nous représentera l'Afrique. Est-ce que vous pouvez bien applaudir? Non, nous voulons saluer nos frères tanzaniens. Messieurs et mesdames les ministres, honorables vice-présidents, nous allons saluer également Monsieur Mangela qui n'est pas avec nous ici aujourd'hui.
L'association de football, monsieur délégué à l'Assemblée générale pendant la CAF, chers invités, chers membres, nous sommes heureux de vous voir ici. Nous avons également des arbitres qui sont venus d'Italie. Je sais que quand il ouvre ses yeux en tant qu'arbitre pour voir les joueurs, on ne peut pas argumenter avec lui. Merci également à nos frères et sœurs. Et nous savons qu'après cette session, nous allons procéder au lancement de la Super League africaine. Nous avons également des invités en provenance d'autres fédérations de football. Nous avons des représentants du vice-secrétaire général. Secrétaire général. Merci d'être parmi nous, et également les représentants du continent. Je sais qu'il y a des ministres du Bénin ainsi que d'autres ministres des différents pays. Nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue à la 44e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Nous avons un travail statutaire à accomplir, nous devons le faire le plus vite possible. Nous avons également présenté l'excellent travail qui a été accompli sur le continent. Je voudrais à présent demander à mon cher frère Yadouan, qui est le secrétaire général de la CAF, de nous indiquer l'état du quorum. Il s'agit d'un processus statutaire que nous allons suivre. Nous allons y procéder de manière rapide. Jérôme parle en français, moi aussi je vais parler en arabe. Peut-être que mes frères pourront comprendre. Jérôme, vous voulez bien commencer l'appel pendant que nous allons suivre l'interprétation. Merci, présent. Ghana, présent. Guinée, présente. Guinée-Bissau, présente. Guinée-Équatoriale, Guinée-Équatoriale. Kenya, présent. Libéria, présent. Libye, présent. Madagascar,
Présent. Malawi. Malawi. Présent. Mali. Mali. Présent. Maroc. Maroc. Présent. Maurice. Maurice. Présent. Mauritanie. Présent. Mozambique. Mozambique. Présent. Namibie. Présent. Niger. Présent. Nigeria. Présent. Ouganda. Présent. République démocratique du Congo. Présent. Rwanda. Présent. Sao Tome et Principe. Sao Tome et Principe. Sénégal. Présent. Seychelles. Seychelles. Présent. Sierra Leone. Présent. Somalie. Somalie. Présent. Soudan. Soudan. Présent. Soudan du Sud. Présent. Tanzanie. Tanzanie. Présent. Tchad. Tchad. Présent. Togo. 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 Présent. Tunisie. Tunisie. Présent. Zambie. Zambia. Présent. Zimbabwe. Thank you, my brother. Je vous remercie, mon cher frère Gabon. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Je veux juste mentionner que le quorum est atteint. Je pense que vous avez dit que la Tanzanie n'était pas présente. Le quorum est atteint, nous pouvons poursuivre. Nous pouvons passer à présent au point de l'ordre du jour numéro 1, vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l'Assemblée générale avec les dispositions des statuts de la CAF. Je voudrais une fois de plus demander à mon frère Véron de nous guider dans l'examen de ce point. À l'application formelle de l'ordre du jour de la présente Merci beaucoup, mon frère Laurent. So we will comply with the statutory requirements. Nous sommes donc conformes par rapport aux dispositions des statuts. À présent, nous allons passer au point saillant des championnats les plus réussis. AFCON Cameroun 2021. Présent la vidéo de cet événement extraordinaire. Three weights in the middle, including Abu Bakr. Shot on goal. Is he going to get the shot in? That is a strike of some power. Super, super, super goal from Dede Ayew. And the shot for Iheanacho. And what a finish that is by Kelechi Iheanacho to give the Super Eagles of Nigeria the lead against Egypt. Al-Sulaya looking for Salah. Salah scores! Mohamed Salah is being virtually... Oh, it's another goal! I can't believe it! There it is in the back of the net.
Aladua comes a long way. And first bit of action for Shakir Aladua. His ball in. Aboubakar is there, and Aladua makes the set. He should score, really, Aboubakar, all along. A chance for a second. Aladua makes the save. And an unbelievable heroics from Shaka Aladua. Kermit should be electric. It's a beautiful through ball. Oh, it's in the back of the net. Of course it is. It is absolutely beautiful. Chance here for number three. Sadio Mane. Sadio Mane. Another brilliant save by Aboubakar. Burn out. Egypt are through to the final. Sadio Mane, Abu Jabal Ali, Mata Mendy, the African Wonder. What is Sadio Mane? Tadadadada, Oscar Tara, Senegal, Limited Meragze, the African Wonder was Nale. Senegal, we are the Africa. Thank you very much. Merci infiniment. Akeba Osoko Sepiemote. Well, you know, we've always said. Merci. Très bien. Nous avons dit au cours des tout derniers mois que l'un de nos objectifs consiste à avoir une nation africaine qui participe à la Coupe du Monde, la FIFA, et gagner cette Coupe. Donc, ce que nous voudrions réaliser, c'est faire en sorte que ceci se matérialise. Si nous investissons dans le football de la jeunesse, nous aurons des chances de réussir. J'ai à présent l'insigne honneur de demander Monsieur le Premier ministre, l'honorable Monsieur Kassim Majaliwa, Premier ministre de la République unie de Tanzanie, de s'adresser à nous. Applaudissons pour le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur Mastino, président de la Fédération tanzanienne de football, Excellence Monsieur Mohamed Chengerwa, ministre de la Culture, des Arts et du Sport de la République unie de Tanzanie, honorable Gianni Fantino, président de la Fédération internationale de football, association, honorable John Mwangela, commissaire régional d'Arusha, Monsieur Chengera, ministre de la Culture, des Arts et des Sports, et sur les membres de la Fédération tanzanienne de football, Monsieur et Mesdames les responsables du gouvernement tanzanien, Monsieur et Mesdames les membres de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, je reconnais également la présence de la Fédération le football de Qatar qui va abriter la Coupe du Monde. Monsieur les responsables des ligues de football, messieurs et mesdames les membres des médias, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président de la CAF, de l'Assemblée générale, chers invités, permettez-moi de commencer par remercier le Dieu Tout-Puissant pour sa grâce et sa miséricorde qui nous a donné la santé, qui nous a permis de nous retrouver ici afin de pouvoir prendre part à cette 44e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. Je voudrais en outre remercier le docteur Dr. Patrice Motsepe, président de la CAF, et pour avoir accepté
l'accueil offert par la Tanzanie. Et au nom de Madame la Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, qui était présente parmi nous, mais en raison de ses engagements antérieurs, m'a demandé de vous transmettre ses salutations et qui m'a demandé de vous informer qu'elle a honoré que la Tanzanie était l'hôtesse, si je puis dire, de cette 4e Assemblée Générale de la CAF, et nous espérons qu'elle continuera de le faire, elle pourra organiser des compétitions de la CAF à l'avenir. Je voudrais également vous convier les salutations du président de Zanzibar. Nous voudrions également vous inviter à Zanzibar où nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup d'attractions touristiques. Je voudrais également saisir cette occasion de vous inviter et de vous souhaiter à tous la bienvenue et vous nous inviter dans cette dans ce beau pays du Kilimandjaro. C'est un pays qui est connu en raison de ses réserves naturelles. Et nous sommes sur une terre qui est connue. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue à la ville d'Arusha. La Tanzanie est un très bon pays. Et nous vous prions de bien vouloir vous sentir comme chez vous et que vous allez vraiment jouir de votre séjour ici. Touristiques qui sont dans ce pays. Nous vous prions de bien vouloir vous sentir ici comme chez vous. Honorable Président, chers invités, le 7 juillet de chaque année est reconnu par la communauté internationale comme étant la journée mondiale de l'anglais. Il se tient des réunions de communautés économiques régionales et d'autres organisations internationales où on utilise le swahili. Le swahili est une langue connue dans la communauté est-africaine et c'est une langue qui est parlée dans beaucoup plus de pays dans le monde. Et nous pensons que nous voudrions vous demander d'honorer cette langue et je voudrais faire mon discours dans cette langue, le swahili. Pour ceux qui voudraient suivre ce discours dans une autre langue, je vous prie de bien vouloir suivre le système d'interprétation. Et je suis heureux donc d'être parmi vous. Je suis également soutenir ce sport qui est bien aimé dans ce pays. Nous espérons que nous compterons de soutenir des projets pour le développement du football dans nos pays et partout dans le monde. Des pays qui connaissent des défis en ce qui concerne la construction des infrastructures sportives. La Tanzanie va continuer de soutenir ses relations avec la FIFA ainsi que ses membres.
honorable, Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les membres de l'Assemblée générale, je reconnais les efforts fournis par la CAF dans le développement du football en Afrique. Je voudrais donc saluer les efforts de CAF et l'encourager à continuer à développer le football africain, le football des jeunes, des femmes, les tournois scolaires. Ce qui a mis sur le bon chemin le football africain vers une voie de la croissance. La Tanzanie est fière de faire partie des pays du continent pour le championnat des jeunes filles qui permet la qualification du continent africain dans la Coupe du Monde qui se tiendra en Inde. Ce conformément aux dispositions prises aux côtés d'autres pays tels que le Maroc. En tant que l'un des pays majeurs, nous mettons l'accent sur les efforts qui contribueront à développer le football. Madame la Présidente a personnellement accepté d'être la sponsor de ce que nous appelons la Coupe Samia, ce qui reflète les objectifs de son excellence pour pouvoir soutenir le football en Afrique et partout dans le monde. Monsieur le Président de la CAF, Monsieur et Mesdames les membres de l'Assemblée générale, et en tenant compte du beau paysage ici en Tanzanie, nous voulons vous dire que nous sommes fiers et nous voulons vous faire preuve de l'enthousiasme qui existe dans ce pays en ce qui concerne le football. Nous avons du football comme Simba, Yamba et d'autres fédérations ou d'autres clubs qui existent pour montrer l'amour de ce sport dans ce pays. Le 20 août de chaque année, nous avons des tournois et cette année-ci, en 2022, nous avons vu les clubs majeurs Yanga et Simba qui ont organisé des événements sportifs dans la région de l'Afrique de l'Est. Et nous avons un stade qui a une capacité de 60 000 spectateurs dans la région de l'Afrique de l'Est en raison de la popularité et du fanatisme qui est observé dans ce pays vis-à-vis du football. Et ils ont pu nous montrer au cours de cette semaine la joie du pays. Et donc ce type d'expérience peut permettre à la Tanzanie de se qualifier comme un pays pouvant accueillir le football sur le continent africain. Monsieur le président de la CAF et Monsieur et Mesdames les membres de la CAF, en tenant compte donc de cet enthousiasme vis-à-vis du football, le 5 août 2022, vous serez ici dans tout le pays pour pouvoir voir ou sentir la sensation lorsque les grands groupes de football, les grands clubs de football se rencontrent dans le cadre des matchs amicaux et au profit de la solidarité ou de la charité. Et nous, dans ce stade de 60 000 personnes, mais c'est un stade qui n'est pas suffisant pour le nombre de personnes qui veulent participer ou observer ce tournoi. Je suis sûr que le gouvernement de la République de Tanzanie est également partie intégrante, est une partie prenante importante en ce qui concerne le sport. Et nous devrons donc de temps en temps accepter d'abriter des tournois. Et nous avons abrité des tournois pour les compétitions de jeunes de moins de 17 ans. Et ces compétitions étaient menées de manière professionnelle. Et ceux qui étaient présents sont d'accord avec nous que ces compétitions font partie des meilleures jamais organisées. En plus, nous avons également organisé des compétitions masculines dans la région de l'Afrique de l'Est
l'Est, CECAFA, tenu ici en Tanzanie. Monsieur le Président, honorable membre de la GEA, nous avons continué d'utiliser le football pour cimenter les relations entre les régions de l'Afrique de l'Est. Et ce faisant, certains pays tels que le Burundi, la Somalie, l'Éthiopie, le Djibouti, le Soudan du Sud, qui connaissent beaucoup de défis parce qu'ils n'ont pas des infrastructures qui répondent aux normes de la CAF et de la FIFA, utilisent donc les terrains de la Tanzanie. Donc le gouvernement tanzanien a également mis à disposition des fonds pour pouvoir améliorer les infrastructures sportives en Tanzanie. Et au cours de cette période 2022-2023, le pays a l'intention de pouvoir moderniser les stades de football et également la construction d'un autre stade moderne qui permettrait de pouvoir faciliter la pratique du football dans le pays. Monsieur le Président, je voudrais terminer en vous disant que je vous remercie une fois de plus d'avoir fait ce voyage ici en Tanzanie pour participer à cette Assemblée générale. Je voudrais également remercier Monsieur le Président Majaliwa, qui est le Président Wallace Makaria, qui est le Président de la Fédération tanzanienne de football. Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée générale, nous espérons qu'à la fin de cette réunion, vous aurez le temps de pouvoir visiter les différents sites touristiques tels que le Kilimandjaro en Afrique, qui ne sont pas très loin, à 50 km de cette ville, Tarangire, le critère de Ngorongoro, qui regorge d'animaux. Il y a aussi le site des épices, le meilleur endroit au monde. Nous vous encourageons à pouvoir visiter ces merveilles du monde. Le pays continuera, ou le gouvernement continuera à vous apporter son appui lors de votre séjour ici ou tout au long de votre séjour. Je voudrais vous souhaiter à tous de bonnes délibérations et c'est pour ce mot que je voudrais déclarer ouverte la 44e Assemblée générale de la CAF. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you so much. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous êtes assis, il y avait une sorte de migration qui s'est opérée. Ceux-ci ont changé de sentier tout simplement parce qu'ils voulaient simplement faire partie de cette réunion. Et ils ont interféré la réception de l'électricité. Mais c'est un prix symbolique pour exprimer notre appréciation pour la République de la Tanzanie. Cela est au nom des 54 nations de football de l'Afrique. Et nous vous remercions d'avoir accepté d'abriter cette Assemblée générale ici. Merci beaucoup. Est-ce possible pour nous de donner un tonnerre d'applaudissements pour le Premier ministre? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais passer la parole au président de la Fédération de football de la Tanzanie, notre frère Wallace Karia, pour souhaiter la bienvenue à chacun de vous et aussi aux différentes associations membres. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Honorable Monsieur Kassim Majaliwa, Premier ministre de la République de la Tanzanie, Monsieur le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe,
le président de la FIFA, Monsieur Gianni Infantino, Honorable Mohamed Nchengewa, Monsieur ministre de la Culture, de l'Art et du Sport, Honorable John Mangola, le commissaire régional de Arusha, d'Arusha, le maire de la ville d'Arusha, Monsieur Maximilien Iranga, Monsieur le président de l'association du Qatar, Monsieur Sheikh Ahmad Al Thani, et aussi, qui est aussi le pays organisateur de la Coupe du Monde. Nous avons également les différents membres du comité exécutif, des chers délégués, mesdames et messieurs les invités, membres de médias, mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais remercier Dieu Tout-Puissant pour avoir permis que cet événement historique se tienne en Tanzanie. J'aimerais saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue aux différents délégués ici à Arusha. Sentez-vous à la maison et profitez de votre séjour ici en Tanzanie. Permettez-moi également de remercier Son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, la présidente de la République de la Tanzanie, pour s'assurer de s'être assuré que cette réunion se tienne dans un environnement adéquat. J'aimerais également remercier le ministre en charge du sport, monsieur honorable Mohamed Njangonga, le commissaire d'Arusha, ainsi que monsieur John Mongela pour leur soutien inlassable, particulièrement pour le soutien qu'ils apportent au comité d'organisation locaux, ainsi que notre président honoraire Leoga Tenga, de s'être assuré que tout était en place et que cette Assemblée générale se passe dans de très bonnes conditions. J'aimerais exprimer mes sincères appréciations au président de la CAF ainsi que des différents comités exécutifs d'avoir accepté d'organiser cela ici à Arusha. J'aimerais également remercier le président de la FIFA, M. Infantino, et même de tout le conseil de la FIFA pour toutes les contributions extraordinaires qu'ils font en vue de développer le football en Tanzanie. J'espère que nous allons avoir d'autres opportunités de pouvoir abriter d'autres réunions de cette ampleur et d'autres tournois ici en Tanzanie. Vous êtes les bienvenus en Tanzanie. Que Dieu bénisse la Tanzanie, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Merci. Un petit présent pour montrer notre appréciation au président de la Tanzanie, qui est également le président de la CECAFA, ainsi que ces nations qui font partie de cette zone en Afrique. Merci, monsieur le président de la CECAFA. Merci. Le prochain orateur est notre frère du continent africain qui a passé un peu de temps en Europe et il est basé en Europe, mais a montré tellement d'engagement et de soutien, d'amour pour le football africain. C'est un honneur pour moi chaque fois que j'ai visité les différentes nations au cours des dernières années d'entendre parler des différentes personnes qui aiment le football en Afrique, dans toutes les 54 nations de l'Afrique. Et ils ont tous dit que le travail abattu par Gianni Infantino, cette amélioration visible dans le développement de l'Afrique est vraiment appréciée et je vais lui demander de prendre la parole pour son allocution. J'aimerais reprendre ce qu'on a discuté lors des discussions durant le comité exécutif. Et nous aimerons souligner le fait que M. Gianni, en reconnaissance à la contribution à l'engagement de la FIFA et aussi de toutes les activités
que vous avez entreprise dans le but de pouvoir améliorer le football africain et dans toutes les nations africaines d'ailleurs durant les élections pour le président de la FIFA pour l'année prochaine. Nous avons pris la résolution de vous voter tous. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements, s'il vous plaît? Vous avez la parole, monsieur le président. Est-ce qu'on peut toujours applaudir pour monsieur Gianni Infantino? Merci. Merci. Monsieur Patrice, président. Dear Prime Minister, my dear friend. De la Fédération, la Confédération africaine de football. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Fédération tanzanienne de football, Messieurs, Mesdames les membres du comité exécutif la CAF, les représentants des 54 associations membres basées ici en Afrique, chers délégués, Messieurs, Mesdames les membres des médias, chers invités, chères légendes du football, bienvenue au Dr Patrice Motsepe et quel honneur que j'ai de pouvoir m'adresser à vous avec beaucoup d'émotion. Cet accueil, même avant mon allocution, montre très bien l'excellent travail que vous avez accompli et que nous avons tous accompli main dans la main au cours de ces dernières années. Donc, après cet accueil chaleureux, il m'est vraiment difficile de prendre la parole. Cependant, je voudrais dire quelques mots à l'occasion de cette 44e Assemblée générale de la CAF. 9 mois après notre rencontre au Caire, 1 an et demie après votre élection, mon cher Patrice, permettez-moi de vous féliciter encore, vous et les dirigeants de la CAF, pour l'excellent travail accompli au cours des 18 derniers mois. Nous, une assemblée générale qui se tient dans un beau pays, celui de la Tanzanie, dans une très belle ville, la ville d'Arusha, et c'est la deuxième fois que je viens ici, la Tanzanie. La première fois, c'était lors du sommet de la FIFA avec les représentants du monde qui s'étaient joints à moi pour ce sommet. Et merci de nous avoir accueillis ici, Monsieur le Premier ministre, dans ce beau pays. C'est une année spéciale. Nous sommes dans l'année de la Coupe. Nous avons le président de la Fédération du football de Qatar ici. C'est également l'année où le monde se retrouve après la pandémie dans ce pays. Nous pouvons nous retrouver encore nous tous, pour célébrer la tolérance, pour célébrer l'unité, pour célébrer le football. Et bien sûr, nous espérons tous qu'un pays africain peut également être sacré vainqueur de la Coupe du monde, n'est-ce pas? Et je le dis à chaque congrès et je le dis à chaque assemblée générale. Nous réjouissons d'avance de pouvoir voir la qualification d'une fédération africaine de football. Et bientôt, ce sera à la Nouvelle-Zélande. Ceci me rappelle que je dois rappeler à chacun dans le monde que les équipes nationales de football constituent le football le plus important que nous ayons. Et il faut donc protéger les équipes nationales. Et la FIFA
se tient debout à côté de vous pour pouvoir protéger le football national, pour protéger les performances des joueurs, parce que les joueurs sont fiers de pouvoir jouer pour leur pays. Et les pays sont également fiers de voir leurs joueurs défendre les couleurs de leur pays, représentant leur pays, représentant leur continent, représentant leur région, dans des compétitions de qualification pour les compétitions de la CAF. Nous allons continuer sur cette voie et nous allons nous battre pour la protection de ces équipes nationales. Si nous protégeons les équipes nationales, nous protégeons le football de manière générale. Et c'est notre tâche numéro une. Et que ceci soit clair aux yeux de tous. Le football national est crucial. Le football national doit se développer, se développe depuis notre rencontre au Caire. Je suis venu à plusieurs reprises en Afrique et j'ai assisté à la Coupe au Cameroun et je voudrais féliciter le Cameroun d'avoir été l'excellent hôte de cette Coupe en Afrique. Ça a été vraiment merveilleux. J'ai également suivi le championnat des femmes au Maroc, en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a gagné, et c'était fantastique. Ceci a été un témoignage de ce que veut dire le football national sur ce continent. Une nation, un football national plein emprunt de talent et de joie et d'enthousiasme sur le terrain. Nous devons continuer de faire des efforts pour pouvoir développer ces équipes nationales, renforcer les compétitions au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et au niveau international. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'en discuter et nous nous réjouissons d'avance du développement de nos compétitions. Un peu plus tard dans la journée, nous allons en prendre part à la session pour pouvoir parler du développement, pas seulement du développement, mais également du renforcement ou de la promotion du football africain pour qu'il puisse faire partie du football au niveau international. Nous avons besoin de ces ressources, si nous devons le faire. Nous avons besoin de la participation de tous. Et en ce qui concerne la FIFA, lorsque je parle de la FIFA, je parle de nous tous, parce que nous sommes tous membres de la FIFA. La CAF fait partie de la FIFA et FIFA fait partie de la CAF et nous tous, nous sommes membres de la CAF. Nous sommes ensemble. Nous représentons une seule entité. Et ensemble, nous avons pu relever le défi majeur de la COVID. Nous avons pu dépenser 1,5 milliard de dollars pour combattre cette pandémie. Et grâce à la FIFA, et nous savons nous tous que cet appui de la FAF, de la FIFA, nous a aidé à pouvoir surmonter cette phase difficile. Maintenant que nous sommes revenus ensemble, nous allons nous concentrer sur la promotion, le perfectionnement du football sur le continent. Et nous allons également renforcer les championnats masculins et féminins et le championnat des jeunes. Parfois, il est très intéressant de faire un retour en arrière avant d'envisager l'avenir. Bien sûr, je suis heureux de voir votre appui à mon endroit. Je me souviens, avant que je ne devienne président de la FIFA en 2016, nous pensions à l'avenir du football, nous mettions en place des programmes. Mais la question était de voir les ressources que recevait chaque association, 300 000 dollars. Et de là, nous sommes passés à 1 million de dollars. Et aujourd'hui,
1,5 million, c'est-à-dire la somme multipliée par 7 fois, et ce, en 6 ans seulement. Ce n'est pas que nous avons gagné davantage de ressources, mais nous sommes en mesure de mieux distribuer les ressources disponibles. C'est parce que nous travaillons de manière sérieuse, nous voudrions que leurs ressources puissent être affectées dans des projets de développement du football ici en Tanzanie et également dans toutes les nations africaines, dans tous les pays d'Afrique. 70 ou 80 millions d'investissements dans le football africain du point de vue de la FIFA. Et bientôt, nous allons, sur un cycle de 4 ans, investir plus de 600 millions, et ce pour le développement du football masculin, féminin, et grâce aux investissements dans des projets de football. Ce sont des projets qui sont porteurs et nous le voyons dans les résultats de vos équipes sur le terrain pour aussi bien le football masculin que le football féminin. Donc une fois qu'on développe le football, il faut également avoir l'occasion de pouvoir participer pour faire preuve de ses talents au niveau continental mais également au niveau international. S'agissant de la scène internationale, nous avons accru le nombre de participants à la prochaine coupe de 2026. Passer de 4, 5 à 10 membres d'Afrique, en provenance d'Afrique. Le monde verra la multiplication par deux du nombre de membres, du nombre d'équipes africaines qui vont briller au niveau de la Coupe internationale. Et également pour le championnat, le football féminin, nous n'aurons plus que 3, mais ce sera de 3 à 6 pays africains qui pourront participer dans ce domaine à la Coupe du monde. Ce ne sont pas des faits, non, ce ne sont pas que des mots, il s'agit des faits, des actions que nous avons menées ensemble, des actions concrètes qui permettent de pouvoir développer le football africain. Pour parler de ce football africain, pour parler du développement des équipes nationales, je vous souvenez-vous que nous avons parlé déjà de cela lors de la dernière réunion avec le secrétaire général Ferron. Vous avez donné à la FIFA la responsabilisation du marketing des championnats de qualification, des tournois de qualification. Et je peux vous dire que pour la Coupe du Monde 2008, nous avons eu un marketing tout à fait différent. Nous avons reçu 23 millions de dollars et cette fois-ci, vous allez recevoir 38 millions de dollars pour le même nombre de matchs. Ceci n'est possible que grâce à votre collaboration, grâce à la collaboration que j'appelle partenariat, mais un parrainage. Il s'agit surtout d'un effort commun qui permet de promouvoir le football africain, promouvoir la passion, l'émotion, les talents qui existent sur ce continent africain pour que le monde entier le voit. Nous allons continuer de pouvoir œuvrer main dans la main pour développer le sport, développer, continuer d'investir dans ce sport. Nous allons continuer de faire progresser le football africain ensemble. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un très bon congrès. Encore merci, en arabe. And I have a souvenir also for the CAF. J'ai également un petit présent pour le président de la CAF. Ne partez pas, je dois aussi répondre. Est-ce qu'on peut applaudir pour Monsieur Gianni Infantino? Nous allons à présent, j'aimerais vous remercier encore une fois. Nous pouvons continuer à applaudir à M. Infantino pour son discours inspirant qu'il vient de prononcer. Nous allons essayer de pouvoir nous rattraper pour les quelques minutes que nous avons perdues. Ceci jouera une vidéo maintenant et nous allons faire quelques remarques bien avant de continuer. The
the 13th of March 2021 signaled that African football will never be the same. It was the rise of a new dawn as Dr. Patrice Motsepe assumed his position as CAF president, leading African football to a new frontier. We have to compete at the highest level in the world and do well. And build a partnership with the private sector that makes them appreciate the huge benefit to their businesses and the benefits to them of participating with us. First on the agenda for CAF's newly elected president was to strengthen powerful partnerships and expand on collaborations. When CAF President Dr. Motsepe took to the helm of African football 15 months ago in Rabat, Morocco, he became the 8th CAF president, ushering in a new era for the federation. This leader vowed to prioritize action over promises. Bent on traversing all four corners of the continent to harness support and bring on board stakeholders for the betterment of the game. There is no African football. There is no African football. There is no CAF if football in every country in Africa doesn't grow and develop. He continues to engage and extensively consult with the football family in Africa and beyond the continent. Better football in Africa starts with better football in member associations, and this is an equation that Dr. Motsepe intrinsically understands. His journey into boardrooms to persuade governments to bring in private partners and sponsors in each member association for growth, benefit, and the betterment of the local game, which then transcends to continent's most loved sport. If you look at sports, teams, clubs, whatever, from football to any other sport, builds on a number of things. It's about leadership. You have to have leaders. You have to have a vision. The scope of broadcasting and media rights and how member associations generate revenue from matches is fast changing. Under President Motsepe's watch, broadcasting of matches has seen an increase in revenue and in coverage due to his approach of doing business innovatively, along with the list of new partners and sponsors that have joined hands with CAF. The steps in the president's action plan is falling together like puzzle pieces. The juggernaut of African football's continental body has only but started changing the landscape of football on the continent, driven by faith, family, and his love for football. Thank you very much. Merci. Je vais faire quelques remarques et nous allons procéder avec le reste du programme. Peut-être que j'aurai trois points que j'aimerais souligner rapidement. Le premier point, c'est que nous avons une compréhension claire et un objectif clair. En ce qui concerne le fait que les Africains aiment le football et pour qui le football fait partie intégrante de nos activités quotidiennes, cela nous donne de la joie. Et la plupart des équipes nationales ou des pays que nous soutenons, nous procurent de la joie. Mais il y a un objectif particulier du point de vue de la CAF. Nous sommes confiants du fait que nous allons en arriver à une réussite afin de pouvoir nous assurer que le football africain sur le continent est très compétitif sur le plan ou sur l'arène mondiale. Nous savons que l'Afrique a produit de nombreux joueurs, les meilleurs d'ailleurs, et ont rendu le continent fier et même les différents partenaires du monde entier très fiers. Il y a un sens
d'urgence très claire. Et nous avons réalisé de nombreux progrès au cours des derniers mois, c'est-à-dire les 15 ou 16 derniers mois. Nous comprenons également le fait que même si l'objectif premier est le football, et c'est justement notre passion, aujourd'hui nous sommes dans le pays de Julius Nyerere et nous comprenons pleinement le rôle que le football joue dans le développement et la croissance des conditions de vie de différentes populations. Cela fournit des emplois, crée des opportunités d'investissement et réunit les différentes personnes de différents pays. Lorsque j'étais au Nigeria, nous avons eu une réunion avec le président et le message qu'il a passé, c'est que lorsque l'équipe nationale joue, tous ceux qui parlent, c'est vrai qu'il y a de nombreuses langues au Nigeria, il y a plus de 200 langues. Lorsque l'équipe nationale joue, ils sont unis. Ils parlent une seule langue, c'est-à-dire la langue des Super Eagles, la langue du football nigérian. Lorsque l'équipe nationale joue, les questions de religion, de tribu, de race, de langue, n'existe pas. Le football réunit tout le peuple du Nigeria et cela s'applique à tous les pays. Et le même principe s'applique au football sur l'arène internationale. Le football en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, est le même. Et c'est justement la raison pour laquelle nous organisons la Coupe mondiale à Qatar, car cela reflète le fait que le football rassemble les peuples. Et j'ai parlé par exemple du Nigeria. Lorsque je me suis rendu en Côte d'Ivoire, j'ai entendu la même chose. Lorsque l'équipe nationale joue en Côte d'Ivoire, tout le peuple de la Côte d'Ivoire est uni. La CAF concerne le football. Nous sommes tous passionnés par le football et l'engagement de l'investissement en ces jeunes que nous avons pour le football, pour la création des différentes académies dans tous les pays et même le fait d'encourager l'image du football, le football professionnel, le fait d'investir dans les infrastructures, le développement du football au sein des jeunes et des filles et même le développement du football amateur et même le football professionnel et nous assurer que l'équipe nationale ou les différentes équipes nationales embrassent et même affichent cette fierté des différents peuples de chaque pays, mais aussi que les 5 nations qui nous représenteront au Qatar, il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Maroc, de la Tunisie et du Cameroun. Ceci représente toute l'Afrique, ceci représente la fierté de l'Afrique et nous sommes confiants qu'ils feront de leur mieux. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Lorsqu'on examine les documents que vous avez dans votre paquet, que vous avez sur vos tables, le document est intitulé « Message du président ». Il parle, par exemple, des bonnes volontés, mais aussi des défis et certains plans pour l'avenir. Nous sommes confiants qu'il y a des défis du passé auquel nous sommes encore confrontés, mais le passé est le passé. Le plus important, c'est le nouveau leadership et nous devons continuer et faire des progrès et nous sommes confiants que vers la fin de l'année prochaine et peut-être dans 2 ou 3 ans, les différentes initiatives et les différentes étapes que nous mettons en œuvre pourront produire des fruits. L'un des problème clé que j'aimerais souligner, c'est que le succès du football africain est étroitement lié, dépend du développement et de la croissance du football dans chacune de nos 54 nations. Les associations membres ainsi que les différents pays de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle il y a un point focal, un point d'honneur à accorder
au fait que dans chacun des nations, dans chacune des 54 nations, il y a des efforts. C'est la raison pour laquelle au cours des 16 derniers mois, j'ai visité à peu près 30 pays et j'ai eu des réunions avec environ 25 chefs d'État pour souligner l'importance du football dans ces pays et pour encourager ces gouvernements et chefs d'État à pouvoir soutenir le football. Je peux dire que je suis très fier, étant donné que dans la plupart des pays, vous pouvez constater les résultats. Nous avons eu le championnat, la CAN féminin, il y a quelques semaines au Maroc. Si vous voyez l'évolution, le succès de ce football, c'était une joie. Je crois que ces femmes-là seront peut-être en mesure de joindre la Coupe mondiale. Et je vais encourager les femmes à le faire, tout comme les hommes le font. Est-ce qu'on peut encourager le football africain et les femmes, et même applaudir pour le développement du football africain féminin? L'un des facteurs ou des problèmes clés, c'est que nous allons parler de la CAN. Et même, je veux dire, la Super League que nous allons lancer juste après cette assemblée. Juste après, nous allons vous demander de prendre quelques verres pour environ 20 minutes et nous allons revenir dans la salle et nous allons faire le lancement de la Super League africaine. C'est un lancement extraordinaire qui pour cette année et nous aimerons saluer notre frère pour son engagement, ses conseils, ses directions dans cette initiative considérable, car cette Super League africaine est une initiative très importante et c'est une étape cruciale et je vais en revenir. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'un des problèmes majeurs en Afrique est sont les subventions, le financement, car la plupart du temps, nos stades en Afrique ne sont pas conformes aux différentes normes. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai dit que le gouvernement doit nous aider. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une situation où il y a environ 20 équipes qui ne peuvent pas jouer dans leur pays, car les stades dans ces pays-là ne sont pas conformes aux normes de la FIFA. C'est une urgence. Et nous essayons de faire des progrès dans de nombreux pays, mais les engagements pour pouvoir nous assurer que dans tous les pays africains, nous avons au moins un stade qui sont conformes aux normes de la FIFA afin que ceux-ci puissent développer le football dans leur pays. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que le football se tient dans chaque nation, dans les clubs, et dans tous ces 54 nations qui prennent part à cette à différentes compétitions et que ceux-ci puissent le faire dans leur pays et n'aient pas l'obligation de se rendre dans d'autres pays pour le faire. Nous réalisons des progrès et j'aimerais remercier ces pays qui au fil des années qui ont fourni des ressources et ont aidé et ont rendu disponible leur stade. Je sais que notre frère Faouzi au nom du Maroc ont réalisé d'excellents progrès. Enfin, on a bâti un excellent travail. Et même dans la zone COSAFA, l'Afrique du Sud et même la Tanzanie a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir abriter le football et les compétitions des pays voisins qui ont des problèmes avec leur infrastructure. Je repars encore pour parler des finances. Lorsque je parle des responsabilités du président, j'aimerais souligner que les fonds disponibles grâce à la FIFA fait en tant que partie intégrante du projet FIFA Forward va nous permettre de réaliser des progrès. Et ce changement s'explique de même. Lorsque je me suis rendu en Éthiopie, j'ai vu les fonds que la FIFA a déboursé, le progrès qui a été réalisé sur cette base. Et lorsque je suis venu ici en Tanzanie, mon frère m'a permis de me déplacer un peu partout pour voir ce qui a été réalisé avec les fonds. Lorsque je me suis rendu au Soudan du Sud, et c'était la même chose un peu partout. Alors, nous voulons remercier la FIFA pour la contribution, mais une partie de la Super League est de pouvoir permettre aux 54 pays au moins 1 million de dollars chaque année en termes de
pour soutenir les plans que nous avons pour la Super League, afin qu'ils puissent utiliser ces fonds pour développer le football dans chacun de nos pays. Nous en allons parler plus tard. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que nous aimerons utiliser 50 millions de dollars de la, pour la Super League afin de pouvoir nous assurer que nos compétitions sont compétitives. Il faudrait que le prize money soit compétitif et alléchant, et afin d'utiliser cela pour pouvoir payer les joueurs, les administrateurs et tout le personnel. Certains ont dit que lorsqu'ils jouent lors de ces leads ou de ces compétitions, ils dépensent beaucoup de fonds pour le transport, et ce que nous essayons de faire, c'est de donner la possibilité à tous les 24 clubs qui vont participer à cette initiative, c'est-à-dire la Super League, afin que ceux-ci puissent avoir au moins 2,5 millions de dollars, afin qu'ils puissent l'utiliser pour payer les joueurs, mais pour les transferts, le transport. Nous allons en parler plus tard. Il s'agit là des points clés. Nous avons fait une levée de plus de 100 millions de dollars, et nous allons permettre à leur prize money de pouvoir être levé à 1,5 million. Nous sommes sûrs et confiants que cela aidera énormément la qualité, pour l'amélioration de la qualité et le standing du football américain, africain, pardon. Nous allons montrer au reste du monde qu'en 90 minutes sur le terrain, nous pouvons remporter et nous assurer que le football africain est respecté, tout comme le football à travers le monde. La gouvernance, l'éthique et les bonnes pratiques doivent être soulignées afin de nous assurer que tout ce qui se passe, les différents contrats qui sont conclus avec les sponsors, la manière dont le financement, le département des fonds sont gérés, sont en conformité avec les meilleures conformités, les différents standards du monde. Et tout ce que nous faisons, pas seulement au sein de la CAF, mais tout ce que nous faisons dans les 54 nations des associations membres, soit en conformité au même diapason que les normes et les codes et le code éthique et les bonnes pratiques de gestion dans le monde. Et je suis fière des progrès que nous avons réalisés. Il s'agit là des mesures d'urgence que nous avons introduites, car nous avons initié ce prix, le PMC. Notre secrétaire général a fait un excellent travail. Et ce que nous voulons faire, nous voulons que la CAF soit supervisée ou gérée, dirigée selon les mêmes principes, les mêmes règles, le même principe de gouvernance, tout comme les confédérations du monde qui font des progrès. Et cet engagement fait partie intégrante du développement et de la croissance de l'Afrique. Nous avons augmenté le prize money de la Champions League de 2,5 à 17,5 millions. Nous avons également augmenté de 6,5 à peu près 10 millions. Et le football des femmes féminin, nous l'avons augmenté de 650%. Il n'y avait pas eu de prize money pour le football féminin, mais nous l'avons introduit un nouveau qui est plus de 2 millions de dollars à cet effet. Et un autre point important, nous avons augmenté le prize money pour la CAN de manière considérable, d'environ 24 millions à 28 millions de dollars. Il s'agit là des questions importantes et je regarde par exemple à l'un des meilleurs arbitres du monde, notre frère italien. Cette question d'arbitrage est très importante. Mon pays, mon équipe nationale ne doit pas remporter tout simplement parce que les autres équipes sont meilleures. Le club que je soutiens, qu'il soit en Égypte ou à Nairobi ou au Nigeria ou n'importe où en Afrique, il faudrait que l'équipe nationale que je soutiens sont en mesure d'accepter que l'autre équipe a remporté la victoire dans le contexte
le code éthique respecté en termes d'arbitrage. Il faudrait que l'intégrité soit respectée, le respect de l'arbitrage soit respecté et qu'il n'y a pas de questions en rapport avec l'indépendance ou l'autonomie de l'arbitrage qui soit mise en question. J'aimerais également remercier une fois encore la FIFA et Gianni d'avoir de former et de s'assurer que les habitudes du continent sont au même niveau, au même diapason que ceux du monde. Je suis fier du progrès que nous avons réalisé. Je ne vais pas revenir sur certains autres points, mais comme je l'ai dit, ceux-ci sont dans le document. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais j'aimerais souligner que le football féminin et des jeunes est très important. De nombreux progrès ont été réalisés dans les différentes dans les 211 pays de la FIFA. Nous avons distribué tous ces documents en rapport avec le rapport. Nous avons encouragé les différentes cultures et les clubs, pardon, je veux dire, dans tous ces 54 pays afin que ceux-ci puissent observer et voir quels sont les principes qui peuvent être utiles et que nous pouvons appliquer à notre niveau. Ce processus de formation des différents entraîneurs, avoir des réunions, nous encourageons les entraîneurs africains qui ont fait des efforts, qui ont fait des progrès, que ce soit au niveau de la FIFA ou même de la CAF, et même encourager les formateurs. Car ces académies de football sont des initiatives très importantes. Il y a des années que je travaillais avec l'Union L et un ami m'a dit, Patrice, cela fait des années, c'était en rapport avec un club de football. Il m'a dit, si tu veux une Toyota, vous pouvez payer le prix d'une Toyota. Mais si vous voulez, moi, je suis une Ferrari, alors vous devez payer le prix de la Ferrari. Mais l'un des points qu'il a souligné, et bien sûr, on est en partenariat avec des institutions pour former des jeunes footballeurs, avec des académies également, mais ce qu'il a souligné, c'est que lorsque vous observez l'Europe, une partie du succès, c'est qu'ils ont des académies qui se focalisent sur les jeunes partant de 5 ans. Nous voyons des écoles, des académies de football comme une initiative importante qui peut contribuer au développement et la croissance du football dans chacun des pays, mais contribuer également à rendre le football africain compétitif. Nous avons fait une contribution de 2 millions, de 10 millions, pardon, de football venant de la Fondation Motsepe pour soutenir le football. Il y avait plus de 1,4 milliard de dollars qui ont été déboursés et offerts. Et cela montre que lorsque vous montrez ou vous inspirez de la confiance au reste du monde, nous avons par exemple plus de 180 pays qui regardent la CAF. Et même si souvent c'est plus de 160, cela montre que l'une des compétitions les plus importantes de l'Afrique sont observées ou regardées par plus de 160 pays. Et l'information que nous avons reçue était plus de 160. Des gens nous ont dit que ça fait peut-être 180 même. Alors cela montre qu'il y a un intérêt particulier à l'extérieur de l'Afrique. Et cela montre qu'il y a une très bonne qualité dans le football africain. J'aimerais clore en remerciant chacun de vous, les associations membres, les secrétaires généraux qui sont ici. Et j'aimerais remercier ceux qui m'ont dit particulièrement que les 250 000 dollars que nous vous donnons en partenariat avec les fonds que vous avez reçus de la FIFA fait une grande différence. Nous avons certains qui ont le soutien du secteur privé et du gouvernement. Nous sommes fiers, nous voulons les encourager à continuer. Et il y a quand même certains présidents qui disent, par exemple, que les 25 000 que je reçois de la CAF et tous ceux dont je dispose, c'est la seule source de revenus. Il faudrait que nous augmentions cela. Nous voulons que chacun des associations membres puisse employer des employés de qualité. Il est important que le bureau de la CAF ait un personnel de qualité. Nous devons employer un personnel de qualité dans le bureau du CAF.
et même les différentes personnes qui font le travail de la CAF à travers le continent doivent être aussi des personnes de qualité. Lorsque nous voulons avoir les meilleurs, il faudrait les payer de manière adéquate. Je suis très heureuse parce que Vérone fait un travail excellent. L'un des problèmes par lesquels je suis préoccupée est que lorsqu'une association membre envoie un email au bureau, il n'y a pas de réponse spontanée, même après des semaines. Et on ne peut pas fonctionner ainsi. Je suis très heureux qu'il y ait des progrès. Lorsque vous entrez en communication avec le bureau, il faudrait qu'il y ait une réponse spontanée. Même s'ils disent, par exemple, qu'ils accusent réception, c'est déjà bon. Il y a un travail excellent qui est abattu, mais j'aimerais quand même les encourager à continuer à travailler. Est-ce qu'on peut applaudir pour le personnel de la CAF et pour le travail extraordinaire qu'ils abattent? Nous allons continuer avec le programme. Nous allons nous rencontrer encore à l'Assemblée pour nous assurer que le football africain est très compétitif sur l'arène globale. Ce que nous faisons sur le terrain est important et nous devons remporter. Cela aussi va de notre dignité et de notre fierté. Nous utilisons le football pour montrer au reste du monde que nous sommes bons sur le terrain, tout comme le reste du monde. Et nous prenons cette assurance pour aussi pouvoir améliorer notre économie. Des jeunes comme Sadio Mané qui réussissent sur l'arène mondiale, nous pouvons tirer de l'inspiration d'eux. Et ceci montre que je peux devenir un ingénieur, je peux devenir un docteur, un avocat, un juriste, ou n'importe quel métier qu'ils aimeraient exercer. Le football doit rassembler les gens, mais il faudrait aussi donner de l'inspiration à travers le football aux jeunes. Et cela nous donne aussi de la reconnaissance. Merci beaucoup. Okay, I'm told that. On vient de m'informer. Interruption de l'orateur. On m'a dit que nous allons suivre un divertissement par le meilleur orchestre musical tanzanien. Nous avons eu un grand groupe de visiteurs américains et ils ont suivi le divertissement tanzanien. À un moment donné, ils n'ont plus pu se contenir et ils ont commencé à jouer, à danser. Nous vous prions de bien vouloir les applaudir fortement. Tell him that I'm gonna ask him to go and lead those things. Okay. You can just go and tell him. Yeah. So Fauzi knows what he's supposed to do. But just ask Fauzi to come here.
Can we clap hands for them once more, please? Applaudissez-les encore une fois. Monsieur le Premier ministre va prendre congé de nous. Il a d'autres engagements et pour que nous entamions les travaux, nous allons lui permettre de prendre congé de nous et nous dire quelques mots avant le démarrage de ces travaux. Au nom de Madame la Présidente Suluhu Hassan, Présidente de la République de Tanzanie, j'ai amené un petit cadeau, un présent que je voudrais vous offrir. Je vous prie de bien vouloir avancer ici au podium pour que vous puissiez le recevoir. This present, one is for FIFA president. This is his Mount Kilimanjaro, the highest mountain. Something to remember when you go back home. Second one is for CAF president, Dr. Mosepe. Beautiful. Yes. Thank you. Un premier présent pour le président de la FIFA, représentant le Mont Kilimanjaro, de la part de Madame la Présidente de la République unie des Tanzanie, et le deuxième pour le CAF, le président de la CAF. Et le président, le Premier ministre prend congé de l'Assemblée générale. Nous vous prions de bien vouloir vous lever au moment où le Premier ministre quitte la salle. Ok, thank you. Can we continue? Nous pouvons poursuivre nos travaux. J'ai eu un message de deux présidents des associations. Merci de nous avoir demandé de pouvoir demander aux gens d'applaudir parce que certains membres de ma délégation étaient en train de commencer à dormir. Donc, le fait d'applaudir les réveille un tout petit peu. Nous allons poursuivre maintenant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Je voudrais donc demander au secrétaire général d'expliquer le processus du vote. Mais nous allons demander au secrétaire général de nous expliquer ce processus. Je vous remercie encore, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous avez reçu trois cartes. Veuillez lever le carton vert. Celui-là, qui signifie oui. Si vous êtes contre, veuillez lever le carton rouge, qui signifie non. Si vous vous abstenez, levez le carton jaune, qui signifie abstention. Essayez de garder un petit quelques secondes plus que le scrutinier et puis que le président puisse voir et puis avoir la ou compter. Il faut le garder pas une minute, mais quelques secondes. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, mon frère Brown. We are now dealing with agenda item. Nous passons à l'examen du point 4, c'est-à-dire la désignation de trois membres chargés de la vérification du procès-verbal officiel. Je voudrais maintenant demander au secrétaire général de procéder à la désignation de trois membres chargés de la vérification du procès-verbal précédent. La CAF propose trois associations membres de trois zones différentes. Nous proposons la Tunisie, le Bénin et le Comores. Ok. All right. If you are... Très bien.
si vous êtes favorable à cette proposition, nous vous prions d'élever la carte que vous aimez, que vous aimeriez montrer. Pour, si vous êtes contre cette proposition, montrez la carte rouge. Je vous remercie. Si vous voulez vous abstenir, veuillez lever le carton jaune, pardon. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Point numéro 5, désignation des scrutateurs. Je voudrais à présent demander au secrétaire général également de proposer les membres des associations qui représenteront les scrutateurs. Française. Libéria pour la version anglaise et Soudan pour la version arabe. Okay. If you are in favor of this proposal, please. Si vous êtes en faveur de cette proposition, levez le carton vert. Vous êtes contre, levez le carton rouge. Et si vous vous abstenez, levez le carton jaune. Je vous remercie. Nous passons au point de l'ordre du jour suivant. Suspension ou exclusion des membres s'il y a lieu. Monsieur le secrétaire général, c'est incroyable. C'est ce que nous faisons depuis les 30 dernières années. Est-ce qu'il y a un point à discuter sous ce cette Merci beaucoup. Membre à suspendre ou à exclure. Maintenant, approbation du procès verbal de l'Assemblée générale précédente. Il s'agit de la 43e Assemblée générale extraordinaire. Transmis à toutes les associations membres, le procès verbal et le document annexe de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue à Rabat au Maroc le 12 mars 2021. Et celui de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au Caire, en Égypte, le 26 novembre 2021. Merci, mon frère Véron. Nous allons demander l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Rabat, au Maroc, le 12 mars 2021. Si vous approuvez ce procès-verbal, nous vous prions de lever votre carton vert. Si vous approuvez ce procès-verbal. Si ce n'est pas le cas, veuillez lever le carton rouge. On m'avait dit que j'allais avoir un carton rouge. On me l'a dit il y a quelques minutes que je vais avoir un carton rouge d'un pays sur cette question. Il s'agit d'une petite partie de ce procès-verbal qu'ils aimeraient évoquer. De quel pays s'agit-il? Non, le pays ne veut pas expliquer, ne veut pas s'exprimer. Bon, je voudrais demander à ce pays de pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous pouvez donner le micro-baladeur à ce pays? Peut-être le représentant de l'Algérie qui souhaiterait intervenir sur ce point? Le micro arrive. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les membres de l'exécutif, mes amis membres de l'Assemblée générale, donc par rapport à la position de mon association concernant le procès verbal, j'ai émis des réserves quant au point relatif à l'amendement de l'article 4 des statuts. Donc je vous demande de vous référer à mon courrier transmis le 4 août. Et par conséquent, je vous demande d'inscrire la position de mon association au PV de cette Assemblée générale. Et si vous voulez que je donne plus de détails, je suis à votre disposition. Je pense que vous devrez continuer et expliquer pourquoi est-ce que vous élevez cette objection. Nous avons reçu une lettre, je crois, la nuit dernière, un peu tard, par le secrétaire général, ou alors très tôt ce matin, c'était 3 heures du matin, il m'a parlé d'une lettre que la FIFA, que nous aurions reçue, pardon, et il me parlait un peu de cette lettre. Je vous prie de bien vouloir nous indiquer les motifs de cette objection. Donc,
Donc c'est avec un réel bonheur et immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour prendre part à la 44e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, d'autant plus qu'il s'agit de ma première participation en qualité de président de la Fédération algérienne de football. Concernant le point, il s'agit justement de rappeler la position de la Fédération algérienne de football en faveur des valeurs de notre sport de football comme vecteur de rassemblement, de renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les peuples du continent africain. Et c'est dans ce cadre que nous avons le devoir d'attirer votre aimable attention sur l'impact négatif, voire dangereux, que prévoit le projet d'amendement de l'article 4 des statuts de la CAF, consigné dans le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue en décembre dernier à Rabat. En effet, le caractère éminemment et exclusivement politique de l'amendement de l'alinéa 1 de l'article 4 porte sérieusement atteinte à l'image de marque de la CAF et le risque d'entamer sa crédibilité auprès de la FIFA, qui, tout comme la CAF, d'ailleurs, voire l'article 2, alinéa L, bannit rigoureusement toute interférence politique dans la gestion des instances footballistiques. De surcroît, cet amendement, qui n'a d'autre objectif que de priver un pays membre fondateur de l'Union africaine de son droit naturel et légitime de rejoindre la grande famille du football continental, constitue une flagrante violation des statuts même de la CAF, qui stipule de manière on ne peut plus explicite que cette dernière a pour but de promouvoir, je cite l'article, la promotion du football sans aucune discrimination d'un pays pour des raisons entre autres politiques. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres, mes amis de l'Assemblée générale, la modification de cet article que rejette catégoriquement la Fédération algérienne de football est également contraire à l'article 2, alinéa M, II des statuts de la CAF, qui engage cette dernière à soutenir, je cite, à soutenir les actions de l'Union africaine dans l'acte constitutif défend la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres, voire l'article 3, alinéa B, qui plus est n'étant ni nécessaire ni utile et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec la gestion et le fonctionnement de la CAF et la réalisation de ses objectifs. Madame, Messieurs les membres de l'Assemblée générale, tout en approuvant partiellement le dit procès verbal, nous attirons votre attention sur les retombées négatives que porte cet amendement de l'article 4 des statuts. Comptant sur votre souci suprême de préserver la crédibilité de notre instance et garantir la conformité des statuts avec les principes et règles de la FIFA, mais également ceux de l'Union africaine et l'Union des Nations Unies, nous sollicitons l'adhésion des honorables membres de l'Assemblée générale pour que cette anomalie soit corrigée et annulée, ainsi que l'amendement de l'article en question par la suppression de la phrase indiquée dans l'article. Merci et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Thank you so much. Je vous remercie beaucoup. C'est là que le président des séances de cette réunion
les dirigeants, tous les dirigeants de cette réunion. Je n'assurais pas la présidente lorsque les élections avaient eu lieu. Et donc, mon devoir aujourd'hui est de vous présenter le procès-verbal qui reflète les délibérations de cette réunion sous la présidence de l'ancien président. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de veiller à ce que les archives reflètent ces délibérations, ce qui avait été convenu à cette réunion. Les observations qui avaient été soulevées par l'Algérie sont une question que nous allons acter dans le procès verbal de cette réunion. Je voudrais maintenant poursuivre. Une seconde, s'il vous plaît. OK. So the minutes will reflect. Donc le procès verbal va tenir compte de cette observation. Nous allons donc tenir compte des commentaires formulés. J'ai pris bonne note du nombre de cartons verts qui ont été élevés par les associations membres. Alors, je voudrais savoir s'il y a un membre qui souhaiterait s'abstenir. Si c'est le cas, nous vous prions de bien vouloir lever votre carton jaune. Merci. Le vote de la majorité reflète l'approbation du procès verbal la réunion qui s'est tenue à Rabat l'année dernière. Nous passons à présent à l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale de la réunion qui s'est tenue au Caire l'année dernière. Si vous êtes d'accord, nous prions de bien lever votre carton vert. Je voudrais quand même voir votre carton vert. Si ce n'est pas le cas, nous parlons du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au Caire. Il n'y a pas de carton rouge. Si vous aimeriez vous abstenir, prière de lever le carton jaune. C'est-à-dire que maintenant l'approbation du procès verbal est constatée. Ce procès verbal est approuvé. Maintenant, nous passons au rapport d'activité concernant la période écoulée depuis l'Assemblée générale précédente, incluant les rapports d'activité des unions zonales. Ainsi que le plan d'action qui a été distribué. Je voudrais vous montrer les points saillants des activités menées, y compris les différentes compétitions qui se sont déroulées au cours de cette période. Je vous prie de bien vouloir regarder la vidéo que nous allons vous faire visionner. Since the last Ordinary General Assembly in Morocco, March 2021, a huge degree of normalcy has returned to our lives as the global pandemic wears off. The activities and our core business of football, as we have known for decades, were severely affected by the coronavirus pandemic, reducing the usually bountiful activities report to a trickle. We were able to hold some competitions, albeit without spectators or a few of them, at club and national level. The interclub competitions, as usual, provided some fireworks, as records were made and dreams were broken. Included amongst the tournaments held was the first ever CAF Women Champions League final tournament, held in Egypt in November of 2021. 8 regional winner clubs battled to have the first name on the trophy, and the ladies put on quite a show for sure. Regarding infrastructure, we upscaled our call on stadiums and facilities that meet set standards. Regarding development and supporting the grassroots, CAF launched the African School Championship, which is the biggest investment in African football future, as well as develop the club licensing regulations and launching the online platform for registration and engagement of the club and member associations. Regarding organizational matters,
The decision made by CAF top management, along with FIFA, to give more powers to zonal unions in the running of football services to accelerate football development. The CAF zones were able to engage in some activities as they build up on the new responsibilities. As the green shoots from coronavirus emerge for football worldwide and on our continent, we look forward to the meeting in person of our new standing committees as they work to meet the goals set in the CAF Strategy 2025. If there could be a positive side to the pandemic, it was how virtual connectivity blossomed and how we could hold seminars, meetings and workshops online, and CAF Strategy adopted very well. The CAF Digital Strategy has been one of CAF's most successfully implemented strategies over the past year. CAF's digital platforms saw an increase in followers of 260% over the past two football seasons, when reach across all channels hit an all-time record of almost 1 billion fans. The previous figures allowed for the delivery of record numbers for Total Energy's Africa Cup of Nations. A special partner was definitely TikTok, one that CAF Digital commenced their strategic relationship up until completing the agreement as a major commercial sponsor. In Rabat, Morocco, on becoming the seventh CAF president, Dr. Patrice Motsepe spoke of reaching out to private sector and new sponsors as we welcome some renowned brands. As commercial partners are vital players in our core business, football, through their financial input. AFCON 2021 took place against the backdrop of a very challenging environment brought about by the COVID-19 pandemic, which had affected all forms of sports worldwide. Despite that, the Total Energies AFCON 2021 was the most successful edition yet. The competition was broadcast in additional countries compared to 2019. Broadcast duration of over 146,114 hours, with a 45% increase compared to 2019. Cumulative audience of 415.5 million, with a 21% increase compared to 2019. A total of hours viewed, 846.6 million, with a 46% increase compared to 2019 as well. 17% of the partner's QI value came from social media. It is to highlight that activations can generate up to 27% of a sponsor's QI value. Refereeing-wise, the 2021 edition was the very first in history to have VAR all through the competition. Cameroon 2021 saw another event happening for the very first time, with Salima Mukansanga of Rwanda becoming the first female to ever referee in the AFCON finals. The Women's Football Strategy was one of the top priorities in CAF last year. The return of the Total Energies WAFCON competition with newly set standards. Based on the launch strategy and the new brand, the competition was the first with the new format of 12 participating teams, and it showed high level of competitiveness and quality, which conclude a historical record of fan attendees in African women's football history, as well as the first ever Total Energies CAF Women's Champions League competition in history took place. Creation of African School Championship for girls. Safety and Security Department reached multiple milestones during the past period. In terms of cooperation with FIFA, CAF, with the active support of FIFA, facilitated the first CAF Zonal Safety and Security Training Workshop. CAF takes community and social responsibility extremely seriously. That's why it was vital for us to support different entities and groups of people who need our support. CAF launched different campaigns that ensures that different citizens of our beloved continent go through the pandemic era in the best manner possibly. We've also saluted medical staff who have been in the front lines fighting for their amazing efforts. Thank you. Can we clap hands for that? Applaudissons pour ce rapport d'activité intéressant. Ceci montre le travail que la CAF a accompli sur le continent. Il reste encore beaucoup à faire, mais des progrès significatifs ont été réalisés. Nous passons au point 9. La présentation des bilans, des comptes révisés. Je voudrais inviter l'autorité de la CAF de venir nous faire cette présentation. Monsieur Fauzi, il va parler en chinois. J'espère que nous aurons des interprètes.
président des associations. Avec plaisir que je vous présente les comptes donc des opérations financières réalisées. L'exercice en question, évidemment, il commence le 1er juillet 2020, s'arrête le 30 juin 2021. Donc, il y avait un total de produits de 109,031 millions, évidemment, avec les trois rubriques. La plus importante, parce qu'il est structurel, c'est l'apport FIFA Award, avec 22 834 millions, les produits commerciaux qui ont avoisiné les 79, et puis bien sûr tout ce qui est apport, déplacement, avoisinant les 6 millions. Les dépenses donc ont totalisé 90 millions, ce qui dégage un flux net de 18 millions, mais avec beaucoup de fragilité, notamment les provisions destinées au règlement des litiges et bien sûr les efforts exceptionnels qui ont été faits durant la période Covid, mais aussi donc l'aide et le soutien apporté aux zones. D'une manière globale, je l'ai dit lors de la dernière assemblée, peut-être pour la deuxième fois consécutive ou la troisième, la situation financière de la CAF reste trop fragile, d'où la nécessité donc d'implémenter des réformes, que ce soit au niveau de la compétition ou de la gestion des compétitions existantes qui aujourd'hui engendrent des coûts très substantiels. Et d'ailleurs, ce qui est confirmé par le cash, c'est-à-dire la CAF, a essayé ou l'essaye donc de chercher dans les réserves et qui ont connu une réduction significative, passant de 52 millions à 30 au niveau des banques. Les dépôts ont suivi le même trend et aujourd'hui, le cash ou la position de la trésorerie de la CAF, donc comme j'ai dit, sert de combler les déficits structurels au niveau de la situation financière. D'où la nécessité, et j'ai l'obligation de le dire et de le rappeler, donc d'apporter des modifications courageuses, nécessaires, au niveau de compétitions. Monsieur le Président, et avec l'encadrement donc de la FIFA, aujourd'hui on va assister à l'une de ces réformes, espérant qu'il apportera de plus de flux, plus d'argent pour la CAF, lui permettra dans l'avenir de jouer son rôle qui est le développement du football au-delà de l'organisation des compétitions. Merci. Merci beaucoup, mon frère Fauzi. Je voudrais à présent, en fait, avant d'inviter qui que ce soit, je voudrais réitérer que dans le jeu de documents que nous vous avons envoyé, les états financiers, le budget, ils sont inclus. Je suppose que vous les avez parcourus. Je voudrais répéter ce que j'ai dit lors des réunions que nous avons tenues. La situation financière de la CAF a été une situation héritée et elle est donc... elle fait face à beaucoup de défis. Mais il faut que le développement du football se poursuive. Mais nous avons besoin de générer des ressources financières, de revenus additionnels. Et quelques jours, mon frère Djané me disait que vous vous rendez compte que la seule façon de pouvoir obtenir des ressources financières, c'est par le biais des compétitions.
et vous ne pouvez hériter que la situation que vous avez héritée. Lorsque vous examinez le rapport de Pricewaterhouse, les ressources que nous avons obtenues grâce aux compétitions effectuées par le passé, on voit que ce sont des montants inacceptables. Je suis censé protéger les sponsors tels qu'ils sont aujourd'hui, mais nous voudrions encourager chacun d'entre eux à accroître sa contribution. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les états financiers tels que présentés? J'aimerais répéter ce que j'ai dit. J'ai insisté qu'il faudrait qu'au moins deux fois par année, j'aimerais avoir des réunions, aussi possible trois fois par année. J'aimerais avoir une réunion avec les 54 associations membres et secrétaires généraux et le président. Et la raison serait que nous allons permettre à chacune des associations membres de pouvoir identifier ces différents domaines dans lesquels elles pensent que la CAF pourrait les aider, y compris également les domaines où il y a de nombreuses limites et des faiblesses. Et je suis très intéressée par les détails que vous allez partager avec moi. Et le plus important, c'est comment pourrons-nous être en mesure de changer tout cela? Parce qu'il faudrait résoudre ce problème. Et l'un des problèmes majeurs serait de discuter des différents changements que nous avons introduits, ces différents défis que nous avons déjà identifiés et comment continuer à nous améliorer et faire des progrès remarquables. J'invite désormais le commissaire au compte de faire la présentation du rapport d'Audi sur le procès verbal en rapport avec les comptes. On m'a dit que vous pouvez également applaudir pour les commissaires aux comptes. Est-ce que c'est possible pour nous de le faire? Je suis heureux qu'il sourit, car la plupart du temps, les commissaires aux comptes dans la plupart de nos pays veulent de l'argent, donc ils n'ont pas le temps de sourire tout le temps. Ce n'est pas leur problème. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de la CAF et du comité exécutif, je me nomme Intenda, un partenaire représentant qui est là pour présenter le rapport financier de juin 2021. Nous avons audité ce rapport financier de la CAF pour le 30 juin qui contient les différents rapports financiers. Nous avons parlé du flux financier et nous avons aussi parlé des politiques de comptabilité. Selon nous, nous sommes prêts à vous dire que la situation financière de la CAF du 30 juin au 2021 au 22 représente la situation de l'entité au jour du 30 juin 2021. Le flux financier, tout ce rapport financier s'est fait en conformité avec les différentes normes mondiales, je veux dire. Ceux-ci ont été supervisés par le comité de finances. Et en tant que commissaire aux comptes, nous devons analyser et voir s'il y a des limites et pouvoir les modifier. Par conséquent, nous vous présentons ce rapport financier. La performance financière ainsi que les résultats du flux financier pour l'année qui vient de s'achever. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci. Quelle est votre équipe préférée en Afrique?
elles toutes, n'est-ce pas? Le rapport du nord, du sud, de l'est et de l'ouest a été fait. Nous allons passer au point 10, qui est le rapport d'Audi et du comité de conformité. J'examinais le statut. La première fois que j'ai examiné le statut, je me suis rendu compte que dans le document, on appelle le comité d'Audi et on appelle encore ce même comité, on parle de lui de comité d'audit et de conformité. Il n'y a pas de cohérence. Lorsqu'on utilise deux différents mots, ça donne l'impression qu'il y a deux différents comités et cela affecte en fait la compréhension. Et les juristes m'ont dit que lorsqu'ils étaient en train de rédiger cela, ils se sont rendus compte qu'il fallait harmoniser. Nous allons passer au point 10. Je vais appeler le comité d'audit et de conformité. Je vais donner la parole au vice-président de la CAF et de la conformité, le président du Togo, M. Aïe Assindo, qui va présenter ce rapport devant l'Assemblée générale. Est-ce qu'on peut l'applaudir également? Il doit se diriger vers la tribune. Il marche avec style. Il se présente et marche d'une manière vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de parler devant le public, mais le président de notre comité m'a fait l'insigne honneur de le représenter. Et avant de présenter mon rapport, je tiens à remercier le président de la Confédération africaine de football de m'avoir donné un cadeau. Quand je fus étudiant, j'observais Monsieur Colina. Et je me disais, est-ce que je pouvais m'inspirer de ce monsieur pour asseoir ma formation et renforcer ma capacité? Monsieur Colina, vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Directeur d'audit interne et de l'assurance qualité de la plus grande institution de notre pays, le Togo, et directeur chargé de la lutte contre la corruption, grâce à vous. Monsieur le Président de la CAF, Monsieur le Président de la FIFA, Messieurs les représentants des nations, permettez-moi de vous présenter le rapport de la Commission d'audit et de conformité de la Confédération africaine de football en lieu et place de notre Président, Sigil Messi, qui devrait être ici. Je tiens à travers cette tribune le remercier. La CAF vient de loin et nous avons, sur la base de nos travaux, je pense, si vous me permettez, je peux me mettre là pour mieux parler parce que, bon, la mise en œuvre des recommandations que nous avons émises depuis 2019 à aujourd'hui, nous avons validé aussi les feuilles de route du travail de l'auditeur interne. Valider aussi le rapport d'activité de l'auditeur interne. Et nous avons fait un coup, une revue de la présentation du bilan des comptes. Et enfin, les conclusions qui, naturellement, nous vous demanderons d'agir, messieurs les représentants des nations. Faisons suite, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a celui qui est en train de présenter parce que je le vois là. Donc, nous avons fait des constats depuis 2019, notamment sur les détails des chiffres. Les efforts ont été menés. Il y a aussi les terrains de la Fédération africaine de football, bien sûr entre les mains du Sénégal. Les situations ont été assainies. Nous avons aussi souhaité quand même qu'il y ait quand même la mise en place d'un auditeur interne, ce qui n'existait pas par le passé. Et malheureusement, et il y a un cas aussi, c'était le cabinet qui était chargé d'auditer les comptes. Malheureusement, il n'y avait pas de renouvellement. Et il y a aussi la présentation, la production de la cartographie de risque.
Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'efforts ont été menés par la Confédération africaine de football, bien évidemment avec le soutien des représentants des nations. Et il y a aussi le point sur la mise en place des procédures. La CAF, oui, on travaillait. Les procédures, beaucoup n'étaient pas formalisées. Nos recommandations, quand même, ont fait en sorte, et bien sûr, en prenant en compte les recommandations des cabinets, des experts, qui ont produit les travaux. Vous allez voir dans le document, notamment les manœuvres de procédure sur la trésorerie. À la fin, ensuite, nous avons pensé aussi aux recommandations. L'une des recommandations phares que nous tenons à vous soumettre à réflexion, nous avons constaté que dans les zones, les états financiers diffèrent d'une zone à une autre. Les périodes d'arrêté des états financiers. Et il a été demandé que vous souteniez le fait d'harmoniser que les états financiers de toutes les nations soient arrêtés au 30 juin, ce qui se fait en Europe, bien sûr, et ce qui doit être fait en tenant compte du principe sacré d'arrêté des états financiers qui soutient le fait qu'il faut que l'activité soit à son plus bas niveau. Vous voyez qu'en juin, les activités sportives sont à leur plus bas niveau. Aussi, il a été recommandé que, à travers nos réflexions, que les membres de la commission d'audit soient renforcés dans leur pouvoir. Nous avons fait une étude, même vous prenez les statuts de l'association des fédérations africaines, je prends le cas du Togo puisque je viens de là, vous verrez que nos statuts protègent et ont donné une place de choix à la fédération togolaise de football ou à la commission d'audit. Même chose au niveau de la FIFA, mais malheureusement au niveau de la CAF, cette situation est un peu à déplorer. Bien, je vais passer puisque nous avons aussi passé à la revue des travaux de la feuille de route du responsable de l'audit, du manager de l'audit interne, bien sûr, qui a fait un focus sur les travaux d'Ernest Young, le cabinet d'audit, et notamment celui de PwC, dans leur rapport par rapport aux recommandations qui ont été effectuées. Nous, notre mission, c'est de voir est-ce que les travaux que le département d'audit a effectués a tenu compte de toutes ces recommandations. Heureux de vous annoncer que des réformes sont en train d'être concrétisées et les travaux sont en train d'être réalisés par ce département qui est, je dis, embryonnaire. Mesdames et messieurs, sur la présentation du bilan et du compte révisé, vous savez bien notre mission, ce n'est pas l'arrêté des comptes. L'arrêté des comptes est entre les mains du responsable des finances et leur approbation est entre les mains du commissaire aux comptes qui est ici, Ernest Young. Nous, c'est de donner un avis en votre nom, messieurs les représentants des nations, pour que vous approuvez, vous validez les états financiers. En regardant les efforts qui ont été effectués depuis 2019 à nos jours, nous avons aussi, dans la même logique, constaté que les états financiers reflètent une image fidèle de la situation économique et financière de la CAF. Et nous vous demandons, messieurs les représentants des nations, d'approuver ces états financiers. Oui, je dois conclure, sinon j'ai déjà conclu, mais permettez-moi pour cette tribune que vous m'avez donnée, parce que c'est la fin de notre mandat, monsieur le président de la Confédération africaine, et je crois ici et maintenant, j'ai entendu le président de la CAF dire qu'il souhaiterait dans les années à venir l'Afrique prendre la coupe. Le président Infantino a dit aussi qu'il souhaiterait élargir la masse des entreprises ou des équipes sportives qui vont travailler. Oui, c'est une ambition très intéressante, mais l'Afrique doit viser la qualité. La qualité dans tout, parce que sur le terrain, seuls 5%, je parle en tant qu'auditeur,
seuls 5% représentent la victoire d'une équipe. 95%, c'est le travail de fond qui s'effectue. Donc l'Afrique, la jeunesse vous écoute, elle veut que vous la souteniez pour continuer à rêver. Et le Premier ministre nous a demandé de parler le Swahili. Et malgré que je sois de l'Afrique de l'Ouest, j'ai appris une phrase intéressante du peuple sahélien et swahélien qui m'aide dans mes travaux. Ils le disent, Moktaka Chofuguni Chartia Inam. Si vous voulez quelque chose sous un lit, vous devrez vous abaisser. If you need something under the bed, you must bend. Africa needs the World Cup, we must bend to take it. L'Afrique a besoin de la Coupe du Monde, vous devez vous rabaisser pour pouvoir l'avoir. Merci. Qui a dit que les auditeurs ne peuvent, les commissaires aux comptes ne peuvent pas avoir de style? C'est vrai qu'ils ont de nombreux problèmes, mais ils peuvent toujours le faire. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Nous arrivons jusqu'alors à respecter le temps, mais nous voulons quand même faire avancer avec l'ordre du jour. Nous avons distribué tous les documents. Nous encourageons tout un chacun à pouvoir les parcourir. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce qui vient d'être présenté? Vous pouvez lever la main. Pouvez-vous tenir debout, vous présenter et prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Andrew Kamanga. Je crois que de la dernière présentation, il y avait une procédure que nous devons suivre. Nous devons d'abord approuver les comptes. Je crois qu'il y a eu omission. Merci. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil à l'ordre du jour, je crois que j'ai pensé à cela. Mais le juriste m'a dit non. Dans le prochain ordre du jour, nous allons revenir sur ce point. Et vous l'avez noté parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait. Durant la session que j'ai présidée, juste après la présentation, nous avons pris une résolution et nous l'avons présentée ensemble avant de pouvoir prendre cette résolution. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dois m'en tenir à la tradition, à la culture. Nous allons faire ce que nous devons faire. Est-ce qu'on peut passer au prochain point, c'est-à-dire le 11e point de l'ordre du jour? C'est ce dont notre frère Kamanga parlait, l'approbation des comptes annuels révisés et du budget. Il s'agit là du point 11 de l'ordre du jour. Je vais demander à mon frère Fauzi de diriger cette partie en présentant les comptes annuels révisés et le budget. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre frère Fauzi? Monsieur le Président, les comptes annuels, on les a présentés. Il y avait l'avis donc du commissaire aux comptes et il y a le rapport de l'auditeur. Donc pour l'exercice financier 1er juillet 2020, 30 juillet 2021, c'était les chiffres qu'on avait présentés et qu'on avait donc approuvés et par le commissaire et par les auditeurs. Par rapport au budget, donc le budget, on a essayé avec l'administration donc de donner de la visibilité future. On a arrêté un certain nombre d'hypothèses, donc qui suppose évidemment que la CAN doit se jouer tous les deux ans, que malheureusement et la CAN féminine et la Champions League féminine ne permettra pas d'avoir des recettes au niveau de la CAF
et que les recettes des compétitions, et là il y a un peu d'ambition, il y a du volontarisme, qui doivent augmenter de 25% d'année à l'autre. Et ça suppose les efforts, en tout état de cause, que vous avez rappelé vous-même et que les collègues ont rappelé. Et que les prize money devraient augmenter de 10%, c'est une évolution logique, parce qu'en tout état de cause, il y a les charges, mais il y a l'inflation, il y a donc c'est tout à fait normal d'augmenter les prize money. Donc sur la base de ces hypothèses, on serait à un revenu total au titre de l'année prochaine de 132 millions, pour passer dans 5 ans à 236 millions, répartis sur les trois rubriques habituelles, les revenus commerciaux, les fonds FIFA Forward et les autres revenus, c'est surtout les produits financiers. Et puis au niveau des dépenses, on serait à un total de 127 millions pour l'année prochaine, pour passer à 169 en 2026-2027. Et sur cette base-là, la CAF pourra dégager un net de 4 millions l'année prochaine, pour progresser à plus de 67 millions en 2026-2027. Et donc, on peut remarquer ensemble qu'on est toujours dans des logiques de stabilité fragile. Il n'y a pas beaucoup de marge à exploiter pour le développement. Et que, sur la base des hypothèses, dans 5 ans, on ne disposerait que de 60 millions donc de marge, et qu'on peut effectivement affecter au développement. Et tout cela, je le répète encore une fois, on a besoin, donc, dans tous les cas de figure, le budget il reflète l'état de l'activité. Donc si on veut un budget dans le futur, dans la rupture, il faut évidemment que tout ce qu'on fait, il faut le raisonner dans la rupture. Et je pense que tout à l'heure, avec la Super League, on aura quand même des rubriques et des ressources à mettre sur les années futures dans nos budgets. Voilà d'une manière sommaire les hypothèses et les évolutions budgétaires sur les 5 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon frère Fawzi? Par rapport à la question de M. Karanga, la première fois que j'ai lu les statuts de la CAF, il a été souligné les points en rapport avec les comptes annuels et aussi les comptes annuels révisés. Et ils appellent toujours le même comité. Par exemple, on a parlé du comité d'audit et de conformité. Et le même comité, on se réfère à ce même comité comme le comité des comptes. Je crois que nous pouvons présenter une déclaration financière et aussi réviser ce bilan financier si ceux-ci ont été présentés peut-être des mois auparavant, juste pour mettre à jour les détails, les données. Au sein de la CAF, le compte révisé est souvent la même chose que le compte révisé. Y a-t-il des questions sur la présentation de Fawzi? Merci. Je crois que nous allons continuer vous demander de voter pour l'approbation du compte annuel révisé pour l'année et du budget de la pour l'année 2020-2021. Si vous êtes d'accord, vous pouvez lever vos cartons verts. Si vous ne l'approuvez pas, veuillez lever vos cartons rouges. Colina, est-ce que vous pouvez présenter votre carton jaune, rouge s'il vous plaît? Si vous vous abstenez,
veuillez lever votre carton jaune. Je demande aux scrutateurs de superviser les différents votes. Nous pouvons continuer pour l'approbation du budget comme présenté par Fauzi. Si vous l'approuvez pour vous approuvez le budget pour l'année 2016-2017, alors veuillez lever vos cartons verts. Si vous n'approuvez pas pour l'approuver 2023 à 2027, alors veuillez lever vos cartons rouges. Si vous vous abstenez, alors veuillez lever vos cartons jaunes. Les scrutateurs vérifient le processus. Car on peut peut-être faire des erreurs humaines. Merci. Nous allons passer au prochain point, le 12. Le comité exécutif aimerait proposer des suggestions concernant la désignation de l'organe de révision. Nous avons demandé au président du comité de finances de pouvoir nous le présenter. Mon frère Fauzi est le président du comité de finances. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez présenter cette proposition du point de vue des différents acteurs sur la base des décisions que nous avons prises au sein du comité exécutif comme proposition de l'organe de révision. Mon frère Fauzi, vous avez la parole. Donc, Monsieur le Président, pour ce qu'on demande, c'est de prolonger donc le partenariat ou l'activité donc du bureau de l'agence d'audit. Et bien sûr, c'est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. And the name of that, le nom de l'institution d'audit est Infemia. And of course, procedurally, the appointed auditors for a period of 1 year. Il s'agit d'un point qui va couvrir une année. Si vous êtes d'accord avec cette proposition et que vous l'approuvez, vous pouvez lever vos cartons verts. Si vous ne l'approuvez pas, veuillez lever vos cartons rouges. Je crois que les scrutateurs nous aident à pouvoir examiner et voir le nombre de cartons levés. Si vous voulez vous abstenir, veuillez lever vos cartons jaunes. La résolution de choix de cet organe a été adoptée. Alors nous allons passer au point suivant. Le point 13. Les juristes disent qu'il y a des points sur l'ordre du jour qui nécessitent qu'on y jette un coup d'œil. Ils ont dit, par exemple, qu'il faudra élire un président et des membres du comité exécutif, mais nous l'avons déjà fait. Mais ils disent quand même que nous devons encore le faire parce que c'est une procédure. Alors, il s'agit du premier, c'est l'admission ou la démission d'un membre s'il y a lieu. Alors, je demande à Véronne, secrétaire générale, y a-t-il une admission ou une démission quelconque? Non, il n'y a pas de demande d'admission ou de démission de membres. Thank you. Merci. Le prochain point. Il s'agit là du prochain point, c'est-à-dire le point 14. L'examen de propositions de modification du statut, de règlement d'application des statuts et règlement de l'Assemblée générale de la CAF. Il s'agit là d'un point
qu'on peut traiter maintenant. En expliquant simplement qu'il n'y en a pas et, ou peut-être vous donner une explication. C'est celui-là même qui reflète les discussions qui ont eu lieu. Il y a eu une circulaire qui a été distribuée par la Zambie. L'un des problèmes que Kamanga a souligné sont des questions très claires, car il s'agit là des questions que j'ai mentionnées auparavant. Il faut réduire les coûts, il faut, comme il a dit d'ailleurs dans son document, le besoin de restructurer le comité exécutif. C'est notre responsabilité de traiter de ces problèmes. Et ce que nous avons fait, c'est de chercher des conseils auprès de nos juristes. Et ceux-ci ont dit que si vous voulez changer les statuts, vous devez suivre la procédure pour pouvoir le faire. J'ai pensé que ce qu'ils voulaient faire, c'est discuter d'abord et pas forcément changer ou modifier le statut. Alors, par contre, il est dit selon le statut qu'il n'y a pas possibilité de discussion de ces points durant l'assemblée ordinaire. Si vous voulez le changer, alors il va falloir rédiger un document, suivre la procédure comme elle est expliquée et dans le document des statuts. Mais je pense qu'il y a besoin de changements profonds de la plupart des articles du statut de la CAF. Et j'ai déjà demandé au vice-président, qui est le président du comité juridictionnel, de suggérer des propositions. Et nous allons la soumettre des propositions durant la prochaine réunion qui sera soumise au comité exécutif. Je crois que si on a au moins 2 à 3 réunions par année avec toutes les associations membres, en plus, en marge, pardon, de l'Assemblée générale. Et cela va nous donner l'opportunité de pouvoir penser aux possibilités de changement et de modification. J'ai demandé au président de la Zambie et je leur ai demandé de demander à leur confédération de me voir et nous nous sommes accordés sur ce point. Je crois que nous allons passer maintenant au point 15, le traitement des propositions des associations nationales et du comité exécutif, sous réserve que ces propositions et ces questions aient été soumises conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent article, si besoin est. Nous voulons voir si cela a été fait en conformité avec le paragraphe 8 de l'article 17. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. On a été soumise conformément au paragraphe alinéa 8 de l'article 17 du statut de la CAF. Merci, monsieur le président. Merci, mon frère Varon. Nous allons passer au point 16. Les questions présentées en conformité aux dispositions de l'alinéa 8 du paragraphe 17. Y a-t-il des questions ou des objections par rapport à cette partie ou des préoccupations, monsieur le secrétaire général? Aucune question n'a été soumise par rapport à cette disposition. Merci. Shukran. Number 7. Le 17e point, je vais passer rapidement car en tant que partie intégrante de cette constitution, de ce statut que je veux dire, il faudrait que nous enlevions cette partie. Il ne faudrait pas que ce soit toujours présenté au cours d'une réunion où nous n'en avons pas besoin. Il s'agit là, est-ce qu'il y a élection, monsieur? Cela n'a pas lieu. Comment est-ce qu'on élit les présidents chaque année? Merci, monsieur le secrétaire général. L'élection des membres du comité exécutif. Nous avons eu une réunion l'année dernière et nous avons décidé que nous n'allons pas avoir d'élection cette année, mais les juristes m'ont dit qu'il faut forcément le dire et le mentionner. Mon frère Véron, pour cette assemblée générale, y a-t-il des élections des membres du comité exécutif de la CAF? Les membres du comité exécutif ont toujours leur mandat en cours. Shukran. Merci. Nous pouvons passer au point 19, l'élection des représentants africains au sein du Conseil de la FIFA, s'il y a lieu.
Vous avez dit que nous devons être peut-être une seule confédération, la seule confédération d'ailleurs qui élit les membres chaque année. Mais je lui ai dit non, ça ne devrait pas être le cas. Le 19e, c'est-à-dire l'élection des représentants africains au sein du Conseil de la FIFA, nous l'avons fait l'année dernière. Et la toute dernière élection datait d'il y a 3 ans, n'est-ce pas? Y a-t-il élection des représentants africains au sein du Conseil de la FIFA cette année, Monsieur le Secrétaire général? Pour ce poste, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Thank you. Maintenant, nous allons passer au point qui va nous donner beaucoup de travail. Il s'agit de l'élection du président et vice-président à la commission d'audit et de conformité de la CAF s'il y a lieu. Oui, oui, vous êtes prêts? Applaudissez pour mon deuxième vice-président. Vous êtes prêts pour ce point de l'ordre du jour? Monsieur le Président, chers collègues, chers délégués, mesdames, messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce point de l'ordre du jour relatif à l'élection du président et vice-président du comité d'audit et de conformité de la CAF. Et c'est conformément à la résolution prise lors de sa réunion du 3 juillet 2022, le comité exécutif propose à la 44e Assemblée générale ordinaire de la CAF de prolonger le mandat du président et du vice-président actuel du comité d'audit et de conformité jusqu'à la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF en 2023. Je vous remercie. Shukran. Merci. Mon frère Yaya. Can we clap hands for mon frère Yaya? Applaudissez pour mon frère Yaya, s'il vous plaît. Si vous approuvez la proposition de proroger le mandat du président, vice-président de la commission de conformité de la CAF, le dite, veuillez lever le carton vert. Pour que je les vois bien. Si ce n'est pas le cas, vous ne voulez pas donc accepter cette proposition de prorogation du mandat de ces postes. Levez le carton rouge. Si vous vous abstenez, levez le carton jaune. S'il y a une carte qui devrait attirer mon attention, veuillez me le faire savoir. Donc, résolution adoptée unanimement. Est-ce que nous pouvons à présent passer à l'élection? L'élection des présidents, vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF, s'il y a lieu. Applaudissez pour M. Souleymane. Il m'a donné des maux de tête pendant la réunion du comité exécutif. Il n'arrête pas de parler parce qu'il dit qu'il est un fils de ce comité et donc il peut prendre la parole à tout moment. Monsieur le président de la FIFA, monsieur le président de la CAF, chers collègues du comité exécutif, chers collègues des présidents des 54 pays africains, chers délégués, chers invités, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'insigne honneur de vous, le président, de vous présenter l'élection du président et du vice-président de la commission des organes juridictionnels, le président de la commission de discipline et le vice-président de la commission de discipline et le président de la commission d'appel et le vice-président de la commission d'appel. Et c'est conformément à la résolution prise lors de sa réunion du 3 juillet 2022, le comité exécutif de la CAF propose à la 44e Assemblée générale de la CAF de prolonger les mandats du président et du vice-président actuels des organes juridictionnels de la CAF, la commission de discipline et la commission d'appel. Et c'est jusqu'à l'Assemblée générale, 45e Assemblée générale de la CAF en 2023. Je vous en remercie. Can we please clap hands for... Je vous prie d'applaudir. Monsieur Souleymane, je vous prie de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Il vient du Djibouti. Et si vous n'applaudissez pas, moi j'ai des investissements en Éthiopie et je ne peux pas exporter quoi que ce soit.
sans passer par le Djibouti. Alors, si vous approuvez la proposition en fait consistant à proroger le mandat des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF, veuillez lever le carton vert. Si vous ne l'approuvez pas, on n'approuve pas le mandat donc des présidents, vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF, veuillez lever le carton rouge. Si vous vous abstenez, veuillez lever le carton jaune. Ça va, vous, à côté? Très bien. Résolution approuvée. À présent, nous passons, nous évoluons vers la fin. Nous passons maintenant à l'élection des présidents, vice-présidents de la commission de gouvernance, s'il y a lieu. Madame Kaneza, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Can we clap hands for Madame Kaneza? Applaudissons pour Madame Kaneza, s'il vous plaît. C'est la toute première dame. C'est extraordinaire. Elle est la toute première femme vice-présidente de la CAF. Et nous en avons besoin d'autres, y compris même des présidentes. Applaudissons pour elle, s'il vous plaît. Chers présidents, chers collègues et citoyens, j'ai l'honneur de vous présenter le point 22 de l'ordre du jour. Le comité exécutif propose à l'Assemblée générale de la CAF de proroger les mandats respectifs des présidents et vice-présidents de la commission de gouvernance de la CAF pour une période d'un an allant jusqu'à la 45e Assemblée générale de la CAF en 2023. Je vous remercie. Can we clap hands for Madame Kaneza? Est-ce que nous pouvons applaudir pour Madame Kaneza? Continuons d'applaudir pour Madame Kaneza jusqu'à ce qu'elle s'asseye, s'il vous plaît. Si vous approuvez la proposition de prorogation des mandats du président et vice-président de la commission de gouvernance, veuillez lever le carton vert. Merci beaucoup. Si vous ne l'approuvez pas, veuillez lever le carton rouge. Merci, monsieur le scrutateur, continuez de regarder dans la salle. Si ce n'est pas le cas, levez le carton jaune. Résolution adoptée. Nous en avons terminé. On vient de m'indiquer que nous avons deux questions à évoquer avant de nous séparer. La première, c'est, je crois que c'est une vidéo que nous allons suivre. Oui, la vidéo qu'on entend vers après. Avant qu'on suive cette vidéo, il y a d'autres rapports. Le vice-président de la commission de gouvernance voudrait se présenter pour faire part d'un rapport très rapidement au cours des trois derniers mois. Parce que cette commission de gouvernance est très importante. C'est en fait la commission de gouvernance et d'éthique. Les rapports sont donc importants. Est-ce que nous pouvons demander à l'un des meilleurs juristes ou avocats du Cameroun de venir présenter ce point 23? Mon frère du Cameroun, vice-président de la commission de gouvernance. Mon frère Rapi, vous avez la parole. Je suis heureux de vous voir. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la CAF, Monsieur le Président de la FIFA, Mesdames et Messieurs les délégués, en vos rangs et grades respectifs, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole pour vous donner le rapport de la commission de gouvernance. Le président de la commission, Maître Brisoy-Michel, Brisoy-Bimichel, a malheureusement été testé
COVID-19 juste au moment où il devait prendre son avion. Et par respect pour nous tous et pour lui-même, il a décidé de ne pas voyager et m'a demandé de vous présenter notre rapport. Alors, Monsieur le Président, distingués membres de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de prendre la parole au nom du Président de la Commission de gouvernance empêchée pour vous présenter le rapport de nos activités. En effet, qu'il me plaise de rappeler que la Commission de gouvernance est l'un des organes juridictionnels et de conformité de la CAF. Elle traite toutes les questions de gouvernance de la CAF. Elle conseille également le comité exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Mesdames et Messieurs, depuis le 12 mars 2021, notre commission a pu relever à la suite d'une revue faite avec l'administration de la CAF le recrutement du cabinet PVC pour accompagner la stabilisation et l'organisation de l'organisation et réaliser un audit de la gestion administrative, financière et marketing de la CAF sur la période janvier 2019 à mars 2021. Une restructuration interne est en cours. La mise en œuvre d'un système de rémunération et d'avantages sociaux dans l'objectif d'attirer et maintenir les employés les plus performants. Le recrutement de personnel qualifié et la délimitation claire des rôles et des responsabilités par l'élaboration des descriptions de postes et la mise en place de contrôles. La définition d'une nouvelle politique de passation de marché intégrant la gestion des performances des fournisseurs, garantissant la gestion et le suivi des fournisseurs et leur renouvellement. L'adoption d'un système de gestion financière de pointe, à savoir SAP, en remplacement du système obsolète JD Edwards. Le lancement d'appels d'offres ouverts et transparents pour les services de marketing, de parrainage et de diffusion pour la révision des procédures internes en vigueur et l'élaboration de manuels de fonctionnement pour les différents départements de la CAF, y compris les départements des achats, des finances, des ressources humaines et l'audit interne et des moyens généraux. La révision du manuel de conformité en vue de garantir les principes de bonne gouvernance et de transparence. La mise en service d'un nouveau système ERP et la publication d'un manuel de délégation de pouvoir en collaboration avec PVC. Concernant les activités du comité exécutif, la Commission a noté avec beaucoup de satisfaction un taux de participation de 100% des membres à toutes les réunions du comité exécutif tenues depuis mars 2021. Au-delà de ces constats, la Commission de gouvernance recommande l'adoption d'un programme de formation sur la gouvernance destiné à toutes les associations nationales, la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une juridiction africaine de football pour éviter les coûts de procédure d'arbitrage extrêmement élevés aux taxes, voire quasiment prohibitifs. L'harmonisation des textes relatifs à la gouvernance de la CAF et des associations membres. Enfin, mesdames et messieurs, l'amélioration de la gouvernance d'une organisation est un long parcours et nécessite une attention permanente. La commission de gouvernance félicite le président de la CAF et monsieur le secrétaire général pour les actions entreprises jusqu'à présent par le nouveau comité exécutif et l'administration de la CAF concernant les questions de gouvernance. Les réformes nécessaires pour doter la CAF de normes de gouvernance de niveau mondial sont encore multiples et nous exhortons toute la CAF à pouvoir contribuer à la réussite de cette mission. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Thank you. Merci, pardon, mon frère. Est-ce qu'on peut applaudir à mon frère également, encore une fois?
nous en sommes à la fin de notre assemblée générale ordinaire. Je crois que nous avons une fête d'ailleurs. Seyd, est-ce que vous m'avez invité à la fête? Il y a une très belle fête. Merci beaucoup. Nous allons arrêter cette réunion maintenant, nous allons la clore. Il y a quelques remarques. Nous aurons quelques remarques. Nous avons très souvent un dîner que les associations membres organisent bien avant l'Assemblée générale. Le dîner qui doit avoir lieu aujourd'hui devrait se tenir hier, mais étant donné que nous voulons utiliser cette soirée comme la plateforme pour pouvoir faire le lancement de la Super League africaine, alors nous avons dû plutôt reprogrammer le dîner aujourd'hui, pour jeudi, pardon. Alors après cela, nous avons compris que les membres du média nous ont dit en fait que, étant donné que cette Super League est très importante pour l'Afrique, nous devons changer le jour du lancement que nous devrions normalement organiser ce soir. Pour plus tard, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de barbecue et de rencontre ce soir. Nous voulons que vous soyez présents aux environs de 17h30 et nous allons commencer. Nous devons avoir fini jusqu'à ce moment car il y a des personnes qui doivent encore partir en voyage. Certaines associations membres qui auraient dû partir aujourd'hui ont eu un changement de vol étant donné l'importance de la Super League. Et comme je l'ai dit auparavant, nous avons dû changer la programmation du lancement de la Super League. Alors, nous allons clore cette réunion. Nous allons attendre un tout petit peu, pendant une minute, pour regarder la vidéo de fin. Et nous tous, nous allons revenir après la petite réception, la petite collation qui nous sera procurée. Mais nous voulons vous enjoindre à revenir dans environ 20 minutes. Nous sommes maintenant à 12h02. Nous voulons que vous reveniez dans environ 20 minutes, donc peut-être à 12h25, afin que nous puissions procéder avec le lancement de la Super League africaine. Et cela est une manière de pouvoir satisfaire cet enthousiasme pour le football en Afrique. Nous pensons que nous pouvons apporter des changements au football africain, alors c'est la raison pour laquelle nous voulons le faire. Et nous vous demandons au moins une minute de votre attention encore et pouvoir regarder cette vidéo. Nous allons vous permettre de vous retirer après ça pendant 20 minutes pour pouvoir changer un tout petit peu la disposition des sièges. Et nous voulons encourager et remercier toutes les associations membres qui se sont présentées et exprimer également ma reconnaissance à tous les membres des différents comités ainsi que même la CAF. Et nous remercions les gens ici présents, le gouvernement de la Tanzanie et tous les acteurs, les sponsors et tous ceux qui sont là aussi présents également aujourd'hui. J'aimerais remercier mon frère Véron, le vice-président également, et j'aimerais enfin remercier mon frère Gianni. Je le dis toujours, il est très important pour moi lorsque j'examine ce que Gianni fait. J'examine ce qu'il a fait auparavant, bien avant que je ne devienne président de la CAF. Au fil des années, on peut voir les résultats et des améliorations quantifiables, considérables, et nous sommes très reconnaissants. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse pour lui, pour clôturer. Nous en sommes à la fin de notre session. Nous voulons passer au moins une minute pour visionner la vidéo.
bien avant de présenter la vidéo, nous voulons simplement revenir sur un point. Nous avons commencé notre réunion avec une prière. J'aimerais enjoindre tout le monde à accepter qu'on finisse cette réunion avec une prière sur la base de nos croyances et des différentes religions auxquelles nous appartenons. Nous pouvons remercier Dieu, remercier Allah, remercier notre Seigneur et Jésus-Christ et remercier nos frères et sœurs qui appartiennent à la religion musulmane et au prophète Mohammed. Est-ce qu'on peut avoir au moins 30 secondes de prière afin que nous puissions clôturer cette réunion? Et juste après, nous allons visionner cette vidéo. Je demande simplement 30 secondes de silence pendant laquelle nous allons prier silencieusement. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui avec nous? Nous allons maintenant rapidement regarder la vidéo concernant les compétitions scolaires africaines et nous allons revenir après 20 minutes et nous enjoignons tout le monde à pouvoir être de retour en ce moment. Nous allons visionner la vidéo maintenant. In a continent with over 1.3 billion people and 1 billion passionate football fans, Africa has one of the most youthful populations in the world. Investing in the youth and creating a legacy at school level has been one of the key pillars of this CAF administration. For the first time in its history, CAF is bringing African youth together using football as the most powerful tool. The African Schools Championship, which was launched in Maputo, Mozambique by CAF President Dr. Patrice Motsepe, is an engaging football program for schools that aims to provide equal access for both boys and girls and to create future leaders, using football as the most powerful platform. One of the greatest investments we can make in African football is in schools football, which is the heart and soul of the future and the development of African football. Part of the aim of football development in Africa is to work towards an African nation winning the FIFA World Cup. The African Schools Program 2022-2023 season began in March 2022 and will conclude in March 2023. 500,000 boys and girls will compete in the national phase, with 20,000 schools enrolling to compete in the championships. The African Schools Championship zonal phase will begin in September 2022, hosted by 6 countries. CAF provided technical assistance to 6 nations, one from each of the 6 CAF zones, by giving each country 1,000 soccer balls and 300 bibs in the national phase of the competition. Furthermore, the Motsepe Foundation donated $10 million to help promote the development and expansion of school football across the continent. Throughout the championship, the program provides leadership, media training, and match officiating with the goal of boosting social impact by encouraging and engaging the skills of young Africans through football. With a youth that is engaged and empowered, thanks to CAF's commitment to development and upliftment of kids with the African Schools Program, the future of the continent is bright. Thank you so much. Merci. Nous allons maintenant nous diriger vers le hall de l'extérieur pour du café et nous reviendrons dans 1 minute. Merci.